jour, un jour ou l'autre, je sais que la police viendra chez moi pour une sombre histoire de mort ou pour me fournir des yogourts à la myrtille, à moins que ce ne soit plutôt pour l'affaire de cette madame Mulet. De rage, je jetterai mes chats par la fenêtre du 12e étage. Je rentrerai mes gosses dans le ventre de ma femme et je leur dirai: pas le mari de madame Muller. Depuis longtemps, je ne suis plus son amant. Renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Messieurs de la police, je ne suis qu'un pauvre musicien. Je joue de la chasse dans un orchestre de free jazz. Vous êtes un peu barjou, mais je suis un peu naze. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Vous êtes fou? Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous savez, c'est pas tous les jours facile de vivre en société quand on a un peu d'imagination. Monsieur le commissaire, j'ai ma nez rouge. Mais monsieur le commissaire, qui n'a pas sa nez rouge? Pas le mari de madame Muller. Depuis longtemps, je ne suis plus son amant. Renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Je n'ai absolument aucun alibi. Ce soir-là, justement, j'étais sur un coup foireux. J'étais entré dans un bar tabac et j'avais demandé un paquet de cigarettes filtres et 3 timbres à 100 balles pour poster des lettres à quelques amis. Elle est entrée à ce moment précis. Nos regards se sont touchés. Intérieurement, j'ai craqué. J'ai collé mes 3 timbres à 100 balles sur mon paquet de cigarettes filtres et j'ai fumé mes lèvres. Pas le mari de madame Muller. Depuis longtemps, je ne suis plus son amant. Renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Monsieur le président, cet insoupçonnable et somptueux inconnu était vêtu d'un sweater de couleur pastel et d'un jean taillé dans de la toile d'emballage de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne. Quand nos regards se sont identifiés,
j'ai simplement prononcé ces quelques mots. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui je hais. Elle m'a répondu, prends-moi. Alors je l'ai prise et nos corps se sont mélangés sur le bitume du trottoir, devant les yeux déchirés et hagards des badauds. Je ne suis pas le mari de Madame Müller. Depuis longtemps je ne suis plus son amant. Renseignez-vous. Pour me passer le temps.